Bonjour, je vous présente la règle du jeu domino. Alors domino parce que les dominos sont des petits rectangles de deux cases. Alors tous les dominos d'un jeu ont été placés sur une grille. Alors, bien sûr, ici on ne les a pas tous placés. Là, on a pris ceux qui vont du 0 au 3-3 pour les premières grilles. Et il y en a qui seront beaucoup plus grandes, puisqu'on aura de 0 à 6. Donc, on masque les séparations entre les dominos en ne les laissant visibles que leur valeur. Le but est de retrouver la disposition des dominos. 0, 0, 1, 1. Alors, vous avez vu que 0, 0, il est là, mais il peut être là aussi, puisqu'on a 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, et 3, 3. Alors, 3, 3, il est là, et 3, 3, il est là. Donc on regarde déjà, alors forcément on peut faire 1, 2 ou 1, 2, mais il faut ensuite regarder que cela ne coince pas. Alors imaginons qu'on commence ici par 3, 0. Donc 3, 0 ici, premier domino. Ensuite, alors je vais assurer à chaque fois. Ici, donc 3, 0. Le 3 est à côté du 0, donc ils n'iront pas ensemble. 0 peut aller avec le 1. Et à ce moment-là, le 1 irait avec le 0. 0 peut pas aller avec le 3. Donc 3, 3. Alors imaginons qu'on prenne notre 3, 3. Comme ceci. 3, 3. Donc ici, j'ai 2, 2, 0, 0 ou 2, 0. 2, 1, 1, 0, puisque 2, 0, je ne peux pas le prendre deux fois. 2, 2, 2, 2. Donc il faut que j'en prenne un des deux. Imaginons qu'on prenne 2 et 2 ici. Ensuite, 2, 1. Donc 2, 2 ici, ce n'est pas possible. Donc ici, on va prendre 2 avec le 0. 2, 0 est pris, donc je vais prendre 1, 0 ici. Ah, j'aurais dû prendre une autre couleur. Et 1, 2 ici. 0, 0, ben, on ne l'a pas pris, donc on doit le prendre forcément ici. Trois, trois, on l'a pris, donc c'est. On a forcément. Est-ce qu'on a le 1, 1? On n'a pas le 1, 1. Donc on va prendre le 1 ici. Et on a notre 3-1 et notre 3-2. Voilà. 3-1. 3-2. Voilà. Et j'ai retrouvé tous les dominos qu'on peut fabriquer ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.